Eh bien, yo les gars, c'est Zerko aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le saviez-vous sur FUT. Donc voilà, c'est le retour de la nouvelle série. J'avais dit qu'elle reviendrait en octobre. Bah voilà, chose dite, chose faite. Et puis bah, on est tout de suite parti. Donc on commence tout doucement. Alors, qui est le plus rapide entre Messi et Cristiano Ronaldo? Donc, je vous mets une petite vidéo qui a été réalisée par un youtubeur. Donc on peut voir dans la première partie que Cristiano Ronaldo bat largement Lionel Messi en vitesse. Et que sur la deuxième partie de la vidéo, Lionel Messi va plus vite avec la balle que Cristiano Ronaldo. Si on parle vraiment de vitesse pure, Cristiano Ronaldo bat largement Messi en vitesse. Un joueur dans tous les FIFA. Et oui, le joueur en question, vous devez vous en douter, c'est Francesco Totti. Donc Francesco Totti était dans le premier FIFA, soit le FIFA International Soccer sorti en 1994. Et il est aujourd'hui encore dans FIFA 17, donc ça m'étonnerait qu'il soit encore dans FIFA 19. Mais voilà, Totti est le seul joueur à être apparu dans tous les FIFA. Hunter, dispo dans FUT. Et oui, on peut avoir Hunter dans son club. Pour l'avoir, il faut jouer au mode aventure. Plus vous avancerez dans l'aventure, plus vous débloquerez des récompenses pour FIFA Ultimate Team. Donc, pour avoir Hunter à un très gros level, il faut choisir le plus haut level. Admettons que vous êtes en amateur, bah, votre Hunter sera même pas à 75. Bon, je dis peut-être des conneries, peut-être 75-74. Et si vous choisissez un mode plus difficile, la carte de Hunter sera un peu plus élevée. Impossible de marquer le péno avec Alex Hunter. Alors ceux qui vous ont dit que c'était impossible, c'est totalement des bêtises. Il est totalement possible de marquer le but quand Hunter est enfant. Voilà, comme le prouve cette vidéo, on peut carrément marquer. Sauf que voilà, il y en a qui n'ont pas la technique pour pouvoir marquer le penalty avec Alex Hunter. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, elle a été très très courte. La prochaine fois, je pense que ce sera un peu plus long. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez des choses sur le saviez-vous, voilà. Si, n'hésitez pas aussi à commenter si ce que je peux améliorer et tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine. Ciao.